Je dirais que la dîme, c'est le 1/10 de tout ce qu'on reçoit. Le 1/10 de tout ce qu'on reçoit. Si j'ai quelque chose, je le divise par 10. Okay. Et une partie de tous les 10-là, c'est ça ce qu'on appelle la dîme. Alors que l'offrande est différente de cela parce que l'offrande n'a pas d'exigence, n'a pas une quantité précise. L'offrande dépend de la disponibilité du cœur de la personne. Tout à fait. La dîme est obligatoire. C'est obligatoire. Est-ce que l'offrande aussi est obligatoire? L'offrande n'est pas obligatoire parce que cela dépend de la conviction d'une personne. Mais quand il s'agit d'une foi, ça nécessite qu'il y ait de l'offrande. Pourquoi? Parce que je pense que dans la manière dont nous vivons, lorsque nous négligeons le domaine de la reconnaissance, Dieu a dit, le Lévite en repart à la dîme parce que c'est ma part et c'est moi qui le donne. Pourquoi? Parce qu'ils n'auront pas la part des terres parmi le peuple. Tout à fait. Vous voyez, Dieu a précisé la catégorie de gens qu'il faut. Et ce n'est pas n'importe où qu'il faut déposer la dîme. Non, ce n'est pas n'importe où. Parce que si nous lisons, c'est que Malachi chapitre 3, verset 8 jusqu'à 10 dit « Apportez dans ma maison, apportez dans ma maison les dîmes et les offrandes, afin qu'il ne... » De partout où vous nous captez, à travers la République démocratique du Congo et au reste du monde, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous vous disons bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission La vie en Christ. Aujourd'hui, nous allons parler de l'offrande et la dîme. C'est un thème qui a été choisi pour permettre à tout le monde d'être épanoui, d'être édifié. Alors, pour cela, nous allons recevoir l'évangéliste Joseph Landou. Il est avec moi. Je lui dis déjà bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Cher évangéliste, vous êtes le bienvenu dans le numéro Oyo. Il y a émission La vie en Christ. Aujourd'hui, Tozo Lobela, la dîme et l'offrande. Alors, j'aimerais avant tout, au Edebiso, Tobanda, Nalosambo, comme on le dit, on doit commencer toute chose par la prière. Vous avez le temps. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. On peut prier. Ok. Seigneur Dieu, nous te disons merci infiniment. Merci pour ce moment que tu nous as accordé de parler de ta part. Merci pour l'édification que tu as prévue pour ton Église et pour ton peuple. Seigneur, que ton Esprit règne au milieu de nous. Que tout ce que nous allons faire soit dirigé par ton Esprit. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Voilà, dans chaque chose, il faut toujours commencer. Il faut mettre Dieu en avant-plan. Tozo Lobela, la dîme et l'offrande. On dit l'antico Lobela tout à l'heure. Alors, cher évangéliste, j'aimerais que, avant tout, au Pessa d'abord, définition, il y a deux concepts. D'un côté, nous avons la dîme et de l'autre côté, nous avons l'offrande. Pour me un peu décortiquer, Nabozindo, le concept Wanami Balé, est-ce que Eza juste Eloko Moko, un jeu de mots ou tout simplement Eza deux choses distinctes? Vous avez la parole. Merci. Ce n'est pas d'abord un jeu de mots. Si je peux éclaircir, okay. La dîme et l'offrande, c'est un principe que Dieu a donné, que Dieu a établi. Déjà dans le monde auquel nous vivons, Dieu a établi une loi naturelle. Parce qu'il y a de lois spirituelles, il y a de lois naturelles. Et dans de lois naturelles, nous avons aussi ce qu'on appelle comme de lois judiciaires. Ce sont de lois naturelles, mais qui nous permettent de fonctionner selon ce que l'État a établi. Mais il y a aussi des lois naturelles qui correspondent à la nature, qu'on ne peut jamais soustraire. La Bible dit « Aussi longtemps que la terre et le ciel subsistera, la loi du sémail et de la moisson
ne sera jamais enlevé. Tout à fait. Et ça, c'est déjà un principe dont toute personne vivant sur la terre doit être soumise sous ces principes. Alors, la dîme et les offrandes sont liées à cette loi naturelle. C'est ça. Et je pense que lorsque nous allons essayer d'expliquer en profondeur toutes ces choses, nous allons bien comprendre. Mais si nous allons définir la dîme et l'offrande par rapport à la séparation, je dirais que la dîme, c'est le 1/10 de tout ce qu'on reçoit. Le 1/10 de tout ce que l'on reçoit. Si j'ai quelque chose, je le divise par 10. Okay. Et une partie de tous les 10 là, c'est ça ce qu'on appelle la dîme. Alors que l'offrande est différente de cela parce que l'offrande n'a pas d'exigence, n'a pas une quantité précise. L'offrande dépend de la disponibilité du cœur de la personne. Tout à fait. Alors que la dîme dépend du principe que Dieu a déjà établi, de l'ordre que Dieu a déjà établi. C'est ça un peu la différence, mais ça marche de pair. Okay. Parce qu'on ne peut jamais dire marcher avec la dîme et isoler les offrandes. Non. On ne peut pas aussi dire marcher avec les offrandes, isoler la dîme. Non. On marche avec tous les deux et ça marche de pair. Donc, si on vous comprend très bien, la dîme a été recommandée par Dieu lui-même. Donc, on ne peut pas échapper à cette loi. On ne peut pas échapper parce que, d'abord, c'est une recommandation de Dieu. Mais au-delà de la recommandation, c'est aussi la part de Dieu dans tout ce que nous faisons. Okay. Parce que dans le monde de l'agriculture, lorsque nous sémons, nous savons la graine que nous avons sémée. Nous avons au moins la semence. Mais nous ne connaissons pas le travail qui s'est fait sous la terre pour que cette semence soit transformée à une production. Exactement. Et ce travail, ce n'est pas nous qui le faisons. Ce n'est même pas les semeurs, mais c'est Dieu qui le fait. Alors la part de Dieu dans tout cela, c'est la dîme. Il ne réclame pas une grande chose, mais il fait la plus grande affaire dans ce qui s'est fait pour avoir le bon résultat. La dîme est obligatoire. C'est obligatoire. Est-ce que l'offrande aussi est obligatoire? L'offrande n'est pas obligatoire parce que cela dépend de la conviction d'une personne. Mais quand il s'agit d'une foi, ça nécessite qu'il y ait de l'offrande. Pourquoi? Parce que je pense que dans la manière dont nous vivons, lorsque nous négligeons le domaine de la reconnaissance, nous négligeons aussi le résultat à venir. Et si on doit toujours continuer à espérer avoir quelques résultats à venir, on doit s'accrocher à la reconnaissance. Parce que la reconnaissance motive la personne qui t'a fait du bien à continuer de le faire. Exactement. Et lorsqu'on est ingrat, on est en train de mettre le barrière pour empêcher que cela continue. C'est ça un peu ce que je peux dire aussi. Alors, il y a d'autres personnes qui sont dans l'obligation de donner la dîme. Par contre, il y en a d'autres qui ne peuvent pas le faire. Parce que j'ai parlé avec pas mal de personnes qui m'ont dit qu'il y a seulement des gens qui travaillent qui peuvent donner la dîme. Mais les autres, vulgairement, on les appelle les chômeurs, les gens qui ne font rien, qui n'ont pas d'emploi, qui n'ont pas de travail, ne peuvent pas donner la dîme. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation ou soit vous pouvez émettre un point de vue contraire? Bon, ça dépend du concept. Okay. Ça dépend du concept. La dîme plutôt, c'est le revenu de tout ce que l'on reçoit. Okay. Quel que soit par le moyen du travail ou par d'autres canaux. Mais c'est qu'on doit savoir que tout ce qu'on peut recevoir, on ne le reçoit pas seulement, bon, pas nécessairement par nos efforts. Il y a toujours une part du travail que Dieu fait à l'intérieur pour que nous puissions le recevoir. Exactement. Par preuve, si vous vendez quelque chose, c'est bien, on vend pour avoir de bénéfices. Mais cela ne signifie pas que tous ceux qui vendent le même article reçoivent de bénéfices. Et si Dieu permet que cela arrive de votre côté, c'est qu'il y a quelque chose que Dieu a prévu et il a aussi sa part. Il faut aussi être reconnaissant. Il faut être reconnaissant. En étant chômeur, il y a des chômeurs qui sont des chômeurs mais qui ne gagnent rien. Mais en étant chômeur, ça arrive aussi d'avoir quelque chose plus que ceux qui travaillent. Et qu'est-ce qu'on peut dire? Et qu'est-ce qu'on a fait pour que vous puissiez avoir une vie particulière?
particulière en cela. Il y a toujours une main de Dieu derrière tout ce que nous recevons et nous devons être reconnaissants en retour pour donner à Dieu sa part. Et bon, ça ce n'est même pas aussi la reconnaissance, c'est une obligation parce que c'est la part de Dieu. Exactement. C'est la part de Dieu. Alors, à qui on doit donner la dîme? Est-ce que à son pasteur, soit à son évangéliste, ou soit vous étiez touché, vous étiez convaincu d'une prédication quelque part à bord d'un véhicule, on vous a prêché, vous êtes convaincu de cette parole-là, vous dites que non, voilà, j'ai quand même la dîme, je peux donner ça à ce pasteur qui m'a prêché la parole à bord d'un transport en commun, ou soit je dois nécessairement donner ma dîme seulement à mon pasteur de l'église. D'abord, c'est le livre de Lévitique qui nous oriente à savoir que Lévitique chapitre 27 verset 30 nous oriente à savoir que la dîme c'est la part de Dieu dans ce que nous faisons. Okay. Ainsi, le livre de Nombres chapitre 18 verset 24 précise comment Dieu a pris ce qui était à lui et l'a légué, a légué cette responsabilité à d'autres personnes. Okay. Dieu a dit, le Lévite aura part à la dîme parce que c'est ma part et c'est moi qui les donne. Pourquoi? Parce qu'ils n'auront pas la part des terres parmi le peuple. Tout à fait. Vous voyez, Dieu a précisé la catégorie de gens qu'il faut. Et ce n'est pas n'importe où qu'il faut déposer la dîme. Non, ce n'est pas n'importe où. Parce que si nous lisons, c'est que Malachi chapitre 3, verset 8 jusqu'à 10 dit, apportez dans ma maison. Apportez dans ma maison les dîmes et les offrandes, afin qu'il ne manque pas de la nourriture dans ma maison. Okay. Pourquoi? Parce que c'est permis à ceux qui travaillent à l'hôtel d'être nourris. Exactement. Par l'hôtel. Exactement. Et quand la maison n'est pas servie, ces gens-là ne seront pas non plus servis. Il manquera des nourritures. Ils manqueront de la nourriture. C'est de même, Dieu a ordonné pour que cela soit donné à l'église. Okay. Donc, s'il y a des personnes qui doivent le recevoir, c'est au pasteur. Et lui aussi n'est pas censé consommer la dîme seule. Parce qu'il n'est pas le seul Lévite. Okay. Dans la famille de Lévite, il y avait la famille d'Aaron qui a été choisie pour le fonction sacerdotale. Et il y a le Lévite qui était là pour soutenir la famille d'Aaron. Okay. Donc pour dire qu'il y a le pasteur qui a la part dans la dîme, il y a le chantre, il y a les intercesseurs, il y a le protocole, sont tous des Lévites à l'œuvre du temple. Okay. Et ils ont part dans ce que l'Éternel a prévu. Est-ce que les pasteurs aussi donnent la dîme? Le pasteur responsable, il donne la dîme. À on qui le pasteur ça, va donner la dîme? On appelle ça la dîme des dîmes. Il va donner ça à qui? D'abord, dans la Bible, il y a une personne qui l'avait fait. En premier, c'était Abraham. Abraham a pris la dîme des dîmes, a donné ça à un roi de Sodome. Okay. Qui s'appelait Melchisédek. Okay. Pourquoi? Abraham a reconnu la supériorité de Melchisédek par rapport à sa fonction. Pour dire que le pasteur est censé donner la dîme, en premier lieu, chez la personne qui est son responsable. Parce que le pasteur n'est pas sorti du néant. Il vient de quelque part. Il a aussi un père. C'est de là qu'il doit déposer sa dîme. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, la dîme des dîmes est versée à l'église pour l'œuvre de Dieu. Et ça, maintenant, la part redevient directement à l'Éternel. Donc, c'est ça. C'est là où on doit donner la dîme, surtout pour le pasteur, le responsable. Donc, il faut donner la dîme au temple, là où on prie à son pasteur. À son pasteur. Et le pasteur donne aussi la dîme. La dîme à son père spirituel. Donc, la dîme des dîmes. Ah, il y a une différence. Donc, ce qu'il a reçu comme une dîme, il doit aussi diviser cela en 10 et prendre une partie des 10 qu'il avait reçu pour donner à son responsable. Est-ce que tous les pasteurs font ça? Je reçois la dîme, est-ce que j'enlève la dîme de dîme et donner ça à mon père spirituel? J'aurais du mal à dire que tout le pasteur respecte ça et j'aurais du mal même à dire qu'il ne respecte pas. Mais tout ce que je peux dire, comme c'est un principe, on est censé observer cela.
On est censé observer cela. Et lorsqu'on n'observe pas la loi, on est en train de désobéir aux ordres de Dieu. Et en étant de pasteur, nous devons être sincères, sachant que nous ne pouvons pas amener les gens à marcher sur la voie que nous-mêmes nous ne respectons pas. Ça, c'est déjà un problème et c'est une maladie que l'Église doit traiter. Est-ce qu'il y a des conséquences qui peuvent survenir lorsqu'il y a quelqu'un qui ne donne pas la dîme? S'il y a des conséquences, comme quoi par exemple? Il y a des conséquences. Mais les conséquences majeures, si je peux bien expliquer, j'avais bien dit, la dîme, c'est comme une semence aussi dans tout ce que nous faisons. Mm. Allons chez le cultivateur. Lorsqu'on sème et qu'il y a la production, après avoir moissonné, il faut enlever une partie qui doit encore se retourner dans la terre. Okay. Pour espérer à prendre encore... À une nouvelle récolte. De récolte. Okay. C'est de même que la dîme. Dieu a travaillé sur ce que nous étions incapables de faire et nous avons eu des résultats. Il a demandé une petite partie, mais nous consommons le tout. Et nous voulons continuer à s'aimer pour que Dieu continue à travailler. Non. Voilà pourquoi Malachie, chapitre 3, verset 8, dit « Vous me trompez. » Ça, c'est l'Éternel qui parle. « Vous me trompez. » Et vous me demandez « En quoi t'avons-nous trompé ?» C'est dans le dîme et les offrandes que vous me trompez. Et si vous lisez la suite, vous verrez que Dieu est en train d'insister. Voilà pourquoi il y a la sécheresse dans vos maisons. Voilà pourquoi vous travaillez dur et vous n'avez pas de salaire. Voilà pourquoi même lorsque vous avez de l'argent, et cela s'introduit dans des poches trouées et cela est dispersé. De poches trouées, ce n'est pas seulement avoir de poches trouées, c'est que vous pouvez aller voir les tailleurs pour que les tailleurs arrangent vos poches. Mais la maladie peut venir pour consommer tout ce que vous avez reçu. Et vous nagez dans la perte. Est-ce qu'on peut dire que la dîme est obligatoire et l'offrande est facultative? On peut dire ça? À entendre vos interventions, votre exposé, on peut résumer vos analyses en disant que la dîme est obligatoire, par contre l'offrande est facultative. D'abord, si nous rentrons, au départ j'avais bien dit, ce sont deux choses qui doivent marcher de pair. Il n'y a rien à négliger. Et si la dîme est obligatoire, c'est que l'offrande aussi doit être obligatoire. Si j'avais dit c'est facultatif, à quel niveau? Dans le sens que la dîme a une précision sur ce que l'on doit donner. Mais l'offrande dépend d'un choix particulier. C'est à la personne qui doit offrir de choisir ce qu'il doit offrir. Mais en ce qui concerne la dîme, il y a une obligation. Il y a une précision. Il y a une justesse de ce que l'on doit faire. Donc vous avez quelque chose et vous devez calculer une partie des 10 de la chose pour remettre à Dieu. Alors que sur l'offrande, il n'y a pas de précision. Donc c'est facultatif à ce niveau. Okay. Donc vous avez le choix libre de donner ce que vous voulez selon la conviction que vous avez dans votre cœur. Alors il y a certaines personnes qui disent que la vraie offrande, c'est aider la personne dans la rue qui manque même le minimum vital au lieu d'aller donner au pasteur parce que ceux-ci s'enrichissent des offrandes de leurs fidèles. Est-ce que cet argument peut tenir debout? Donner à ceux qui en manquent, c'est un principe divin. C'est un principe divin. Mais dire que éviter de donner à l'église pour enrichir les pasteurs, là, c'est être malin. Là, c'est être malin. Imaginez un pasteur qui abandonne son travail, qui ne fait rien, mais qui doit être nourri pour avoir la force. Et tout le jour, il est censé, même pendant la nuit, pendant que vous dormez, prier pour vos situations. Son téléphone ne peut jamais être éteint parce qu'il est censé recevoir vos appels n'importe quand, n'importe où, n'importe comment et résoudre vos problèmes. Il est censé se soucier de votre situation
je peux dire même plus que vous. Parce qu'au moment où vous vous mangez, lui est en train de gêner pour que vous ayez la solution à ce qui vous tourmente. Exactement. Et une telle personne, Dieu donne la part de la dîme. Quittons d'abord la dimension de dire que les offrandes et la dîme, c'est pour le pasteur. Parce qu'au début, j'avais dit, c'est la part de Dieu. Ce n'est pas aux hommes que nous donnons les offrandes, ni la dîme. C'est à Dieu que nous les faisons. Mais Dieu, par son pouvoir, a légué cela à des hommes qui travaillent pour son intérêt afin que ces hommes puissent bénéficier de cela. Connaissant qu'ils auront tout leur temps pour faire ce travail de Dieu et ils seront obligés d'abandonner certaines responsabilités qui leur reviennent. Alors que ces responsabilités doivent aussi être remplies par des moyens. Est-ce que vous savez que certains de vos collègues pasteurs opèrent des miracles sur base des offrandes? Ceux qui ont 10 dollars, venez, je vais prier pour vous. Ceux qui ont 20 dollars, ceux qui ont 50 dollars, ceux qui ont 100 dollars, venez, venez s'aimer, venez donner pour, n'est-ce pas, faciliter l'œuvre de l'Éternel. Venez, je vais prier pour vous. Est-ce que cette prière-là est différente? Moi, je donne par exemple 10 dollars. Par contre, quelqu'un qui est à mes côtés donne 50 dollars. Vous priez pour nous deux. Est-ce que cette prière aura la même efficacité? Je dois répondre dans deux formes. Exactement. Allez-y. La première forme, il y a quelques malices qui se font. Dans quel sens? Dire que le miracle doit coûter une somme précise, ça c'est moquer de Dieu. Parce que il n'y a pas un miracle qui s'opère par la volonté personnelle de l'homme. Tout à fait. Ça n'existe pas. C'est Dieu qui opère des miracles. C'est Dieu qui opère des miracles. Nous ne sommes que des canaux. À ce point, moi je dis que des hommes de Dieu sont comme des luminaires. Et Dieu est la lumière. Alors la lumière traverse les luminaires pour atteindre le monde. Alors un luminaire ne peut jamais s'approprier de la lumière pour dire que c'est pour lui. Voilà pourquoi le soleil, quand le soleil brille, ce n'est pas pour son intérêt, c'est pour l'intérêt des autres. Et je ne peux jamais constituer une barrière entre ceux qui doivent bénéficier de cette lumière et celui qui produit cette lumière. Non. En agissant de cette façon, c'est constituer une barrière aux autres. Alors que tout ce que Dieu rend disponible pour le monde, c'est pour tout le monde. Sans discrimination, parce que Dieu aime les hommes au même pied d'égalité. Sauf que le bénéfice de cet amour de Dieu dépend de l'attachement que chacun a de Dieu. Tout à fait. C'est ça. L'amour de Dieu est répandu dans le monde pour tout le monde. Et les malfaiteurs et les pasteurs. Et je peux dire, il n'existe pas un pasteur qui n'a jamais été malfaiteur. Parce que nous sommes tous nés dans la nature pécheresse. Pécheresse, voilà. Et c'est cet amour qui nous a tirés de cette malédiction. On ne peut pas condamner ceux qui sont restés parce qu'ils bénéficient de la même amour. Il suffit simplement de se rendre disponible à cet amour. Peut-être qu'ils bénéficieront aussi plus. Vous voyez, on ne peut pas constituer une barrière. Donc, la deuxième possibilité, je dirais, il y a certaines choses qui viennent provoquer, je peux dire, provoquer, non pas Dieu, mais la personne qui communique avec Dieu. Là, c'est une dimension qui dépasse, pas qui dépasse, mais qui sort hors l'alliance de l'amour entre l'homme et Dieu et l'humanité. Tout à fait. Cela s'introduit entre l'alliance individuelle entre Dieu et la personne qui communique l'onction. Et la personne s'est dit, je dois libérer quelque chose. Et ce que je dois libérer, j'exige ceci. Et ça, je peux donner même une preuve. Isaac voulait mourir. Et pour mourir, il voulait dégager une bénédiction. En matière de bénédiction, il y a la bénédiction qu'on reçoit
parce qu'on nous a donné. Il y a la bénédiction qu'on reçoit parce qu'on a provoqué. Exactement. Vous voyez? Et Isaac a compris qu'il a une bénédiction, mais cette bénédiction lui-même est incapable de libérer cette bénédiction gratuitement. Ça, c'est bien dit. Il a fallu qu'il y ait quelque chose qui doit provoquer cette bénédiction. Et une chose grave, il a exigé ce qu'il doit manger, même les goûts. Un gibier, ce ne sont pas de bêtes domestiques. Un gibier, c'est une bête qui vient de la forêt. Vous voyez? Et parler sur ce que Jacob avait fait et sa maman, ça c'est aller dans d'autres choses. Très bien. Parce que cela dépendait des mamans, parce qu'elle savait bien le goût du père, et elle savait aussi quelles sont les épices qu'elle pouvait mettre dans un animal domestique pour que cela devienne dans le goût d'un gibier. Très bien dit. Alors nous sommes en train de nous approcher petit à petit à la fin de cette émission. Nous voyons d'un côté, pasteur, les chrétiens, les fidèles qui viennent voir les pasteurs. Pasteur, prenez ça, sakola ponanga. Comme on entend souvent dans nos milieux de vie, je donne 10 dollars, je donne 20 dollars, je donne 50 dollars, n'importe quel montant que nous pouvons imaginer. Pasteur, sakola ponanga. Le pasteur aussi, ou soit le prophète, parce qu'aujourd'hui, dans la ville de Kinshasa, on a pas mal de prophètes. On a comme tendance, on a comme impression que tous les pasteurs deviennent des prophètes. On ne sait pas, ça ce n'est qu'une parenthèse. On voit des gens qui donnent de l'argent auprès de ceux-ci pour dire que non, ça colle à Ponanga. Est-ce qu'on peut dire que ça c'est une offrande ou bien ça c'est la dîme? Et puis entre guillemets, il y a des miracles qui s'opèrent sur base de ça. Comment vous pouvez réagir face à cette pratique? Ça je peux dire ceci. Les sakola ponanga, ce n'est pas une prophétie que Dieu donne pour communiquer à une personne. Non. Les sakola ponanga, là je pense que nous allons bien éclaircir cela par rapport à d'autres sujets que nous allons parler sur exactement l'œuvre de l'Église dans la société. Donc ça veut dire simplement que je reconnais le pouvoir que la personne a. Et dans ses pouvoirs, il a la possibilité de déclencher quelque chose et que cela puisse avoir de l'influence dans ma vie. Mais cela ne peut être possible que moyennant quelque chose? Je le provoque. Ok. Donc cet acte, c'est un acte de provocation. Comme j'avais dit, Isaac aussi l'avait demandé à Jacob. Si Isaac l'avait demandé, mais il y a d'autres personnes qui savent que au lieu que cela me soit demandé, je dois aussi, et j'avais bien dit ça, nous quittons dans ce domaine où il y a Dieu avec les hommes. Maintenant, nous sommes dans le domaine où il y a Dieu avec son envoyé. Okay. Vous voyez? Parce qu'en envoyant quelqu'un, Dieu lui donne aussi le plein pouvoir d'exercer certaines choses selon ce que lui veut. Élie n'avait pas dit « sinon à la parole de Dieu ». Non. Il avait dit « sinon à ma parole ». Mais le ciel a entendu et Dieu a exaucé. Vous voyez, il y a certaines choses, certaines dimensions, je peux dire, dont l'homme de Dieu est revêtu totalement de la puissance divine. Donc, il agit par le mandat de Dieu. C'est ce que moi je dis souvent, que l'onction que nous recevons de Dieu, c'est une portion de la divinité que Dieu donne à l'homme pour que l'homme soit capable d'agir comme Dieu. Très bien. Je rappelle que j'ai reçu l'évangéliste, le révérend Joseph Landou. Il est avec nous ici pour éclaircir l'opinion, pour donner quelques éclairages, un certain nombre d'éclairages afin que le peuple de Dieu soit épanoui. Alors nous sommes en train de chuter déjà parce que le média c'est l'heure. Et quel message pouvez-vous lancer à ceux qui nous suivent en ce moment? Que ce soit du côté des hommes de Dieu, des pasteurs, que ce soit aussi du côté des fidèles. Merci beaucoup. Tout ce que je peux dire, quel que soit pour les hommes de Dieu, quel que soit pour les fidèles, celui qui consomme sa dîme, consomme sa sémence. Et lorsqu'on consomme sa sémence, on aura une terre sans production. Alors, cessez de le faire, sinon c'est votre propre malheur que vous cherchez. Et pour les offrandes, ayez ce cœur d'offrir à Dieu, selon votre conviction, tout en sachant que c'est Dieu n'a jamais cessé de faire du bien pour nos vies.
C'est tout ce que je peux donner. Est-ce que vous pouvez aussi communiquer votre numéro de téléphone, même le siège de l'église, parce qu'il peut y avoir des gens qui auront besoin de vous contacter, de venir prier avec vous. En ce qui concerne l'église, je suis de l'église Sentinelle pour l'enlèvement de Racheté en sigle Ezer, située dans la commune de Bumbu, sur l'avenue Mafuta numéro 127, plus précisément entre les directions Sayo et Birmanie. Donc nos programmes, nous sommes là chaque mardi pour l'intercession générale appelée l'homme intercède, mercredi et vendredi le soir pour le culte d'enseignement ainsi que des prières, ainsi que le dimanche de 8h à 10h45 pour un culte d'action des grâces. Alors vous avez déjà l'invitation de partout où vous êtes, vous pouvez venir, notre Dieu sera glorifié et vous aurez ce que Dieu a prévu pour vous. C'est ça le message que je peux donner. Pour le numéro, vous pouvez me joindre sur mon WhatsApp sur plus 243 84 051 57 52. Plus 243 84 051 57 52. Et sur Facebook, je suis là, vous pouvez juste taper Reverend Joseph Landou et vous pouvez suivre tout ce que nous mettons pour le peuple de Dieu. C'est ça. Je crois que ça, c'est la dernière question avant qu'on se sépare. Est-ce qu'il y a une nuance entre payer la dîme et donner la dîme? Ou soit ce n'est qu'un jeu des mots? C'est un jeu des mots. Okay. C'est un jeu des mots. Payer la dîme, c'est comme si on a une dette. Mais c'est normal. C'est parce que c'est un principe. Un principe, on doit la respecter, on doit le respecter pour avoir les résultats liés à ces principes. C'est ça. Et dire donner la dîme, c'est aussi normal. Mais c'est donner, c'est une obligation. C'est une obligation. Donc, c'est tout ce que je peux. Très bien. Je pense que c'est par cette note que nous allons nous séparer avec le révérend Joseph Landou. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Abonnez-vous massivement, aimez et partagez. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.